Initié par l'association Denicho du Burkina Faso, ce concours a pour objet de primer les meilleurs élèves filles, reçus au concours d'entrée en 6e de l'ensemble des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. 10 pays sont concernés par cette saison qui se déroule du 18 au 28 décembre en Côte d'Ivoire. Fervente militante de l'autonomisation des femmes, Mme Dominique Ouattara a tenu à témoigner son soutien aux jeunes filles. Elle a offert la somme de 2 millions de francs aux lauréates. En plus, la première dame de Côte d'Ivoire a offert un ordinateur et un lot de livres aux ambassadrices juniors. Madame Dominique Ouattara a exhorté ses filles à l'effort et au travail afin d'être les meilleures dans leurs différentes classes. Elle a insisté sur l'importance de la scolarisation des jeunes filles. C'est à ce prix qu'elles parviendront à l'indépendance et à l'autonomisation. Je voulais vous dire, mes chères filles, qu'il faut vous battre. Il faut vous battre pour vos études. Il faut vous battre pour rester à l'école. Parce que grâce à ça, demain, quand vous aurez un diplôme, vous allez pouvoir avoir la liberté. Vous allez pouvoir avoir votre indépendance. Vous allez pouvoir choisir le mari que vous voulez. Non pas parce qu'il a de l'argent, mais parce que vous l'aimez et parce qu'il vous aime. Et ça, c'est important. Madame Kandia Kamisoko Camara, ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, a levé un coin de voile sur les initiatives prises par le gouvernement ivoirien pour la promotion de l'éducation des jeunes filles. Elle a rappelé que l'État de Côte d'Ivoire a élevé la formation au rang de priorité nationale. À ce titre, de nombreuses initiatives ont été prises pour la promotion de l'éducation de la fille et de l'autonomisation de la femme en vue de lutter contre la pauvreté, l'ignorance et l'analphabétisme. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, a salué l'engagement de la première dame en faveur de l'autonomisation des femmes. Madame Aïcha Ouedraogo, responsable de l'association Denicho, structure initiative de l'événement, a remercié Madame Dominique Ouattara pour son engagement en faveur de la femme et de l'enfant. Elle a profité de cette tribune pour sensibiliser les populations sur l'importance de la scolarisation de la jeune fille.